Good morning, Aleiden, juste aujourd'hui, le Nishmat, Léa Chaya Bat Mazal Tov, Claude Shlomo Ben Shalom et Lucienne Batreina. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Sota, Perek Tet Mishnah Vav. Zikne Ota Air, Rochatzinat Yedehem Bamaim, Bimkom Arifa Shel Egla, Veomrim, Yadenu Lo Shafru et Adam Aze, Veenenu Lo Raou. On va prendre les psukim pour mieux comprendre un petit peu ce qui va se passer dans la Mishnah, parce qu'il y a, sinon il y a une petite phrase un petit peu compliquée à comprendre qu'est-ce que la Mishnah vient de nous apprendre en fait. Donc en fait, on est à la fin de Parashat Shoftim. Tout le dernier sujet de Parashat Shoftim, c'est la fameuse histoire donc de la Egla Arufa, lorsqu'on trouve un cadavre entre deux villes qu'il va falloir mesurer, trouver d'où il vient. Ensuite, une fois qu'on a mesuré, on a trouvé quelle est la ville qui va devoir endosser la responsabilité d'apporter la capara. Alors on a expliqué comment il faut apporter la capara, on apporte une petite génisse qui a jamais travaillé, on va l'amener dans un endroit, dans un fleuve Eitan, ou qui est dur, Nahal Eitan, ça s'appelle, un fleuve dur, avec une terre dure, qu'il ne faudra plus jamais travailler, on va là-bas, on va l'énuquer, avec une hachette, on va par la nuque, on va lui briser la nuque, et là où elle va tomber, ce sera un endroit qui sera interdit d'en tirer profit, pour l'éternité. Sur ça, ensuite, donc ça, tout ça, c'était, si vous regardez dans Parashat Shoftim, Perek Rafalev, ça commence à partir de Kimatse Halal Badama, et je passe un petit peu rapidement. Et ensuite, une fois qu'on a dit, Voridu Zikne Aïr, je commence à partir du Pasuk Dalet, Voridu Zikne Aïr Aï et à Egla. Les sages de la ville apporteront cette Egla, cette génisse, El Nachal Etan, dans un fleuve dur, Asher lo ye'ovad bo velo izarea, qui ne sera plus jamais travaillé et qui ne sera plus jamais semé, ve'arfusham et aigla banachal, et là-bas ils vont énuquer la génisse dans le fleuve. Ensuite, venigeshu akohanim benelevi, et alors ensuite les kohanim benelevi s'approcheront. Kivam bachar Hashem elokecha lesharetu, ulvarech b'shem Hashem, ve'alpiyem yekolri ve'chol nega. Et les kohanim devront s'approcher, et on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec les kohanim. Mais pour le moment, regardez comment ça se passe, on a maintenant deux groupes. C'est-à-dire, si vous voulez plus me comprendre la scène, il y avait les vieux d'Yerushalayim, les sages d'Yerushalayim. Ils ont mesuré, ils se retirent, ils peuvent même déjà repartir. Après maintenant, on va avoir deux groupes. Il y a les sages, les juges de la ville, avec les kohanim de la ville. Même chose, les kohanim vont s'approcher. Maintenant, c'est ceux qui ont descendu la génisse et qui l'ont énuqué, c'est les sages de la ville. Maintenant, les kohanim vont s'approcher. Et regardez le rituel, ça se passe de deux côtés. V'chol ziknair aï akrovim alechalal yichatzot yedehem ala egla arufa banachal. Et tous les sages de la ville qui sont proches de la ville qui était proche du cadavre, alors yichatzot yedehem, ils devront se laver les mains ala egla arufa banachal. Ils devront se laver les mains sur la génisse qui a été énuquée dans le fleuve, enfin à l'endroit du fleuve. V'anou v'amro, et ils diront ces juges-là, Yadenu lo shafru et adamazé, nos mains n'ont pas versé, ils se lavent les mains, pendant qu'ils se lavent les mains, qu'on leur renfle les mains, ils disent, nos mains n'ont pas versé ce sang, venenu lo raou, et nos yeux n'ont pas vu. Et sur ça, le passou qui continue, mais en fait, c'est plus les sages de la ville qui vont dire, mais c'est plutôt les kohanim qui vont dire. Kaper la amecha Israël, asher padita Hashem. On va demander à Hashem, s'il te plaît, Hashem, expie à ton peuple d'Israël que tu as fait sortir d'Égypte, imagine. Ve'al titen damnaki, et ne laisse pas un sang propre, pur, de celui qui a été tué, bekerev amecha Israël, venikaper lahem adam. Et ne laisse pas, à toi, Hachem, ne laisse pas ce sang qui a été versé seul, comme ça, mais veille à ce qu'une capara, parce qu'en réalité, veille à ce que celui qui l'a tué soit meurt là où il se trouve, et réellement, et des Midrashim qui expliquent, qui mourait sur place, on expliquera plus tard quand ça apparaîtra. Benikaper la Adam, je ne sais pas si ça va être pendant la Mishnah, au pire je vous le rapporterai blindé.
Vénikaper la Yamadam, et ainsi le sang qui a été versé leur sera expié. Voilà la fin du verset. Sur ça, on a la Mishnah qui va me dire, regardez, il va falloir comprendre. C'est-à-dire, je vous ai déjà expliqué ce qui va se passer dans la Mishnah en expliquant les rôles de chacun. Donc la Mishnah commence en me disant, Zikne otahir rochatzinat yedem, les sages de la ville vont se laver les mains, bamaim, avec de l'eau, bimkom arifa shalegla, à l'endroit où on a énuqué la génisse. Veomrim, et eux-mêmes diront ce pasouk-là, yadenu le shafrou et adamaze veenanu lo raou. Nos mains n'ont pas versé ce sang et nos yeux n'ont pas vu ce qui s'est passé. Voilà la phrase bizarre qu'ils déclarent. C'est la déclaration qu'ils vont dire, entre parenthèses, on est dans Sota, en rapport avec le fait que ces phrases-là doivent être dites en Lashon HaKodesh spécifiquement. C'est pour ça qu'on est rentré dans ce sujet. D'accord? Maintenant, la Mishnah se lève quelque chose d'un petit peu bizarre. Quoi. Les juges ils vont se dire, c'est pas nous qui avons versé ce sang. Pourquoi on croyait que c'était toi le meurtrier? Vechi al datenu alta. Véhi, on pensait réellement chez Zikne Bedin Chofredami même que c'est les sages du Sanhedrin là-bas, de la ville, les sages de la ville, que eux ont versé ce sang. Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'Oshafrou est adamazé? C'est-à-dire quoi l'Oshafrou est adamazé? C'est qu'on n'a pas de responsabilité sur le temps qui a versé, sur le sang qui a versé. Et là, Shelo Balayadenu, Uptarnu ou Belomazon, on va nous déclarer qu'on a veillé, nous, de notre côté, que toute personne qui venait chez nous, qui avait besoin de manger, on lui donnait à manger. Et lui, celui-là, il n'est pas venu nous demander à manger. Parce qu'en fait, peut-être qu'il est réellement, qu'il a été tué. Tu sais pourquoi il a été tué? Parce qu'en fait, il a cherché à manger, il a trouvé personne qui lui donnait à manger, il est parti dans le désert, il a trouvé quelqu'un. Et il a commencé à vouloir l'agresser pour lui prendre sa nourriture, et il s'est fait assassiner pour ça. Donc nous, on doit d'abord déclarer que nous, on est propre. On n'a pas laissé la responsabilité, en fait. Et aussi, je finis la phrase, après j'explique un peu mieux. Et ni aussi, on ne l'a pas vu. Et on l'a laissé sans compagnie, sans se faire accompagner sur la ville. Soit, nous, les dirigeants de la ville, avons une responsabilité envers les habitants de la ville, mais même aussi envers les étrangers. Lorsqu'ils arrivent, c'était fréquent à l'époque, lorsque les gens passaient d'une ville à l'autre, ils venaient de temps en temps la nuit, ils passaient la nuit dans une ville, et puis ils se levaient le matin, et puis ils continuaient leur chemin. Du devoir des juges de la ville et des responsables de la ville, était de veiller à ce qu'il y ait une coupa tzedaka qui s'occupe des gens qui sont de passage. Et lorsqu'ils étaient de passage, il fallait leur indiquer le chemin, il fallait veiller à ce qu'ils aillent dans les bons endroits, comme il faut, qu'ils soient accompagnés si possible, qu'on réunisse les gens. On avait un devoir. Alors les juges, ils vont dire, écoute, on va déclarer devant Hachem que nous, on a fait ce qu'il fallait faire, et ce mort-là, il n'est pas lié à nous. Ce n'est pas nous les fautifs de ce qui s'est passé. Parce que si on avait fait ce qui est là, parce que si réellement on s'occupe, nous, de prendre les étrangers qui viennent, de leur donner à manger comme il faut. Il y en a qui expliquent, leur donner à manger comme il faut pour qu'ils aient de la force pour avancer dans le chemin, et que s'ils sont agressés, qu'ils aient le temps de courir, de faire quelque chose. Et là, s'il est mort, c'est qu'il n'a pas le temps de se fuir, il n'a pas le temps de fuir. Alors on déclare, nous, qu'on n'a pas de rapport avec ça, c'est pas nous, nous, on a fait notre devoir. Ok? Il n'est pas, on ne l'a pas laissé partir sans nourriture, il avait cette force, il avait besoin de courir, et on ne l'a pas vu, on l'a laissé sans lui indiquer le chemin, sans lui indiquer par où passer, sans lui mettre des... organisé et qui va partir en compagnie d'autres personnes, comme ça ils seront plus protégés l'un envers l'autre. Nous on déclare qu'on a fait ce qu'il fallait. Et suite à ça, alors ensuite, c'est là où arrive le pasouk suivant, le pasouk Crète, qu'en fait on a changé maintenant de narrateur, c'est plus les vieux de la ville, les sages de la ville qui vont parler, mais c'est qui? La Kohanim Omrim, et les Kohanim de la ville vont eux prier Hachem en disant Kaper la Mecha Israël, Asher Padita Hachem, s'il te plaît Hachem. Il y en a qui disent, le Tosfot Yom Tov veut dire qu'il faut interrompre ça en disant « Ana Hachem, de grâce Hachem, kaper la Amecha Israël, expie à ton peuple d'Israël, Asher Padita Hachem, que tu as sauvé, ve'al titen damnaki bekerev Amecha Israël, et ne laisse pas ce sang propre versé bekerev Amecha Israël, au sein du peuple d'Israël, que le meurtrier qui soit en ce moment en train de faire le beau devant ses copains, et quand il était, en fait, il a ce son verset qui est sur le dos, ne laisse pas cette situation comme ça. Veille, Ribbono Shel Olam, à ce que celui qui l'a tué soit vengé. Et maintenant, il y avait dans le pasouk, il y avait une dernière phrase qui finissait en me disant Valtitan Nakib Kerevam Chisal, Veni Kaper Laem Adam, et le sang sera expié. Sur ça, vient la Mishnah me dit attention, cette phrase-là, Loayu Tsrichim Lomar Veni Kaper Laem Adam, eux, les Kohanim n'avait pas besoin de dire Veni Kaper Laem Adam. Et le sang sera expié, effectivement. C'est qui? C'est pas les Kohanim qui disent, qui t'a dit. Peut-être qu'Hachem il n'a pas expié. Non.
Et la Ruach HaKodesh Mevasratam, c'est le... C'est plus la déclaration qu'il doit dire, mais c'est la Torah qui nous dit que lorsque tu feras ça, alors la Torah conclut en disant « Venikaper laem adam » et le sang sera, leur sera pardonné. « Ruach HaKodesh Mevasratam » c'est le Ruach HaKodesh, c'est l'Esprit Saint, l'Hachem, qui se dévoile dans Moshe Rabbeinu, chez Moshe Rabbeinu pour nous dire la Torah, qui nous a dicté la Torah en nous disant que c'est ce Ruach HaKodesh qui leur annonce « Ematay shetasu kacha adam mitkaper laem » lorsque vous agirez ainsi, le sang qui est le sang versé, vous sera expié et vous n'endosserez aucune responsabilité sur ce qui a été fait. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Selah.